Allez, yop tout le monde, c'est DGK. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire la présentation et le test sur une nouvelle voiture qui va arriver sur GTA Online. Toujours pareil, je suis sur GTA PC. C'est grâce à un mode que je peux vous présenter toutes les voitures en avance. Et on ne sait pas si elle va arriver demain ou quoi que ce soit. Donc c'est la Williard Odora. C'est une grosse cylindrée et franchement, elle est plutôt stylée, je trouve. Ça fait penser à la voiture des Simpsons. Je sais pas pour vous, mais ça me fait penser un peu à ça, donc ça me fait assez rire. Mais franchement, elle est pas mal. Regardez, donc juste ici, on peut pas voir, non. Je sais pas comment tu fais pour voir les stats de la voiture. Mais voilà, elle est juste là. Franchement, vous voyez, il y a quand même assez pire comme voiture. Et après, à voir qu'est-ce qu'elle donne en custom. Bon, bien sûr, c'est toujours pareil, vous l'avez vu avant moi. Mais ouais. Elle a l'air plutôt cool. On va aller voir ce que ça donne au LS Custom. Toujours à me prendre des petits poteaux. C'est la même chose. Mon petit Tale of Us. Est-ce que je peux carrément changer de modèle ici? Parce que pour entrer, chaque fois, je prends Mathéo de Tale of Us. Mais je peux pas. Donc, il faut trouver le petit Trevor. Oh, c'est bon, ça l'a pris, nickel. Et regardez du coup le LS s'ouvre. What? Mais vraiment. Chaque fois il a des skins bizarres un peu. Hein. Allez, on est parti. Oh ouais, ça fait très américain. Ouais, c'est américain. C'est typiquement américain. Oh, les gris aussi, le noir, c'est américain. Oh, c'est un peu une chose conne que je viens de dire, mais t'inquiète. Nage à fond, on s'en fout, frère à fond. Alors. Oh, il est joli celui-là. J'aime bien les gros phares comme ça. Non, chromé, je sais pas, on va le mettre en couleur. Je sais même pas quelle couleur je vais y mettre. Oh, ça j'aime bien. J'aime bien la petite roue là. J'aime bien, ça fait très vibe GTA 4 aussi. Hein. Non, pas vibe GTA 4, vibe un peu GTA Liberty City Stories, des choses comme ça. Ça fait vraiment très. Ouais, ça fait vibe très ancien. Enfin, ancien GTA quoi. Je trouve ça kiffant un peu. J'aime bien la roue, sauf que le problème avec la roue, c'est qu'on voit pas le Williard après. Je trouve ça dommage. Juste pour la présentation du véhicule, je vais laisser en comme ça et je vais pas mettre la roue. Ok, là t'es roue. Ouais. Allez, vous savez quoi? On va mettre les latéraux, sinon après là c'est devant. Pas mal, ouais. Des deux côtés, comme ça. Non, on va laisser les latéraux.
Alors la calendre. La calendre, j'ai un problème à chaque fois de dire ça. Oh, je sais pas, on va pas. Après, j'ai une couleur, je sais pas laquelle je vais mettre encore, donc je sais pas. Après, peut-être qu'on reviendra sur la voiture après. Ouais, couleur 1, couleur 2, couleur 1, couleur 2. Ça fait pas beaucoup de capot du coup. Hein. Ouais, c'est la couleur 1 et la couleur 2. On va mettre la couleur 2. Klaxon, toujours pareil, je peux pas. On va mettre. Bah, bien sûr, on va mettre des néons. Moi, je suis Jackie Tuning, moi. Oh, waouh! Oh, c'est trop dommage que je puisse pas le mettre. Oh, ça aurait été trop beau. On va la mettre. On va essayer de la mettre via le mode menu. Écoutez, c'est Downtown Calco, c'est la peine, c'est le motif, on essayera. On va la mettre comme ça. Oh, les rétros. Ouais, attendez, mais vous savez quoi? Je reviens juste après, mon coco. Donc, on va faire F8, véhicule option, menu custom. On va essayer de choper le motif. Pas là-bas. Spence, non? Oh putain, je sais pas où c'est. Bon, vous voyez, moi je suis assez perdu dans les custom. Pas éclairage. Y'a pas à livrer un truc comme ça. Benice, mais tu peux rien faire avec. Ah, motif. Voilà. Voilà. On le glitch le jeu, nous. Grâce au mode menu. Merde. Oh, le karma. Voilà, il est pas mal comme ça, non? J'aime bien. Alors, on en était où, du coup? On était au rétroviseur. On va reprendre. Vous savez quoi? On va les laisser en chromé, là. Je trouve que ça rajoute un truc, parce que si on met tout en... Oh, comme ça. Ah ouais, grave comme ça. Alors, plaque, on va mettre la noire. Peinture. Eh, ça a changé de ton, ouais. Un peu plus foncé, là, comme ça. Ouais, ouais. Mais bon, moi, je vais laisser comme ça. Chromé. Ah, c'est rigolo. C'est rigolo. On va mettre au noir l'intérieur. L'intérieur, il n'y aura pas grand chose. Ouais, mais il n'y a vraiment pas. Oh, c'est un taxi, hein. On va pas partir en vacances avec un taxi non plus. Donc, que ce soit assez réaliste. Par soleil. Mais bien sûr. Elle est rigolote, je trouve. Hein. Je suppose sur les restes de base, sur la fond, finition. Alors. Ah, j'aime bien ça en vrai. Ça non. J'aime bien celui-là. Turbo, mais bien sûr, on est dans la bulle, nous. Allez. Ouais, non, ça va pas. Ça va pas. Ça va pas. Vous savez quoi, on va laisser de base. C'est quoi là? Celle qui a un dollar. Ça peut faire stylé en vrai. Je sais plus où elle est, celle avec le dollar. Il semblait qu'elle était par là. Elle est dans les low-rides. Voilà. Voilà, on est toujours dans la bulle, nous. On kiffe. Voilà, voilà, voilà. Hey. Est-ce qu'elle est pas trop belle, ma voiture? En vrai, ça fait trop stylé avec le motif, je trouve. Je peux changer la plaque ou pas, au passage? Attendez, on va... What the fuck? Je viens de découvrir un truc. Alors, véhicule option. Menu custom. Bah bien sûr, on peut changer la plaque. En fait, je l'avais pas fait spawn avec... comment dire? Avec le bon menu menu. C'est pour ça. Enfin bref, voilà, je parle surtout au modeur et tout ce que vous voulez. On va reprendre mon petit Matteo. Story model. Vous savez, c'est la tradition. Hein. Attendez, on va le faire sortir parce que j'ai peur que sa casquette parte dans le vide. Bah voilà, là il y a juste les cheveux. Là, chelou. Les cheveux et la casquette. Voilà, là il y a la casquette. Il est vraiment trop beau, je trouve. Ah, il est magnifique. Elle est pas mal, hein?
Ça se trouve, on pourra la prendre pour le business de taxi, ça serait trop fun. Et ouais, parce que le motif, on peut pas le débloquer, donc est-ce qu'au final, ça ne sortira pas après la deuxième partie du DLC, donc une fois que le business de taxi sera arrivé. Par exemple, si on fait un certain quota de courses, eh bien on débloquera le motif d'Uptown Capco, vous voyez. Je pense que c'est vraiment très possible que ça se passe comme ça. Ma voiture Ma voiture Non, ouais, je pense qu'il y a moyen. Mais attends, mais elles ont des blindages de fou quand même. Mais que... What? Le mec, il est passé à travers la grille, tu sais. Vous avez vu, je suis allée à Palais-Tour B. Ça change un peu de la ville, hein, pour une fois. Non, franchement, elle est très belle. Oh. Gros cylindré oblige. Ouais, elle lève bien. Hein. Elle lève bien, elle tient bien, j'ai l'impression. Ouais, ouais, tu aimes pas non plus de ouf. Non, ouais, tu aimes pas de ouf. Mais elle lève bien par contre. Pour une voiture comme ça, elle lève bien. Ouais, il y a mieux, je pense. Ouais, il y a largement mieux en vrai. Bah, 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 petit drift des familles. Pour s'amuser. Oh, vous savez où on va aller? J'ai envie de faire une folie pour une fois. Merde, c'est pas la bonne touche. On va se téléporter. Et vous allez voir où on va se téléporter. Bah c'est pas là, hein. Vous inquiétez pas, on va se téléporter. Moi, rien ne m'abat. Téléporte option, c'est où? Non. Ok. Ah oui, c'est vrai. Oh, oups. La con. Oh, merde. En vrai, ça pourrait faire une bonne intro, hein. C'est pas là où je veux aller. Putain. Y'a pas... Mais attendez, mais venez, on va dans toutes les maisons, en fait. Bah, voilà. Oh, je fais... Oh, ouais. Oh, dans la maison à Trevor. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas trop bien ici en fait? Là 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 là. En plus c'est trop stylé, c'est dans la ville. Je vais carrément faire l'intro ici. Voilà, je sais jamais. D'ailleurs je sais pas, est-ce que ça vous intéresserait une vidéo sur Northampton? Pour ceux qui... Pff, il vient de parler. Il vient de dire merde. Vous l'avez entendu? Je savais pas qu'il y avait des murs invisibles. Mais bon, si jamais ça vous intéresse, vous me dites. Je veux l'entendre parler. Ah ouais, il parle. C'est pas mal qu'il l'ait fait parler. Le célèbre cimetière avec la mission de Trevor qui m'a fait faire des cauchemars. Enfin, Trevor et Michael. Oh, bordel. J'ai cru que j'allais pleurer par rapport à ça. Mais il y a quand même pas mal de choses. Regardez, il y a le petit train et tout... qui passe, vous prenez, vous savez quoi, on va prendre la route du train et l'intro, on va la faire à un endroit. Pour ceux qui connaissent le jeu, alors là vous allez être ravis. Bien sûr, s'il n'y a pas un mur invisible, on va se prendre un gros mur invisible à faire. Merde. Là ça va vraiment être pour les purs anciens qui ont découvert le jeu. Bon, vous savez où je me dirige, hein, pour les anciens. Normalement, il y est toujours. Mais oui, je le vois de là. Hé hé. Ça, je m'en souviens là, quand ça avait sorti et tout. Ah, c'est un truc de fou. Puis voilà quoi, écoutez. Bon, vous l'avez vu déjà en intro en fait. Ah merde! Oh, elle a mis longtemps à démarrer. Vous l'avez vu en intro encore une fois, mais moi, vu que je fais la vidéo après, voilà, je me fais découvrir en même temps que vous. Et puis voilà, un très grand merci à vous d'avoir regardé. C'était BGK, je vous dis bon game sur GTA Online. Ciao tout le monde!